L'érosion, par l'eau et par la glace, est le facteur essentiel à sculpter la surface de la Terre et à présider à ses paysages. De cette érosion, les cheminées des fées sont l'un des produits les plus spectaculaires. Les cheminées des fées résultent de l'action des pluies sur un type de roche particulièrement hétérogène, tels des conglomérats glaciaires ou des tubes volcaniques, dans lesquels des blocs de grande dimension se trouvent enrobés dans une matrice d'éléments fins, comme des argiles ou des sables. Ces argiles et ces sables sont entraînés beaucoup plus facilement par les eaux de pluie que les blocs, et ces blocs, par la suite, protègent comme un parapluie chacun les éléments fins sur lesquels ils reposent. Qu'un relief se manifeste au-dessus de l'eau, il est saisi par un phénomène omniprésent sur Terre, un phénomène qui a conditionné toute la physionomie du globe, qui en modèle le visage, c'est le phénomène d'érosion. Et le phénomène d'érosion, qui est un phénomène de rabotage, et ce phénomène d'érosion, fondamental, essentiel, est très étroitement lié au cycle de l'eau. On en a déjà parlé, l'eau qui est pompée par la chaleur du soleil dans les mers, les forêts, toutes les eaux possibles, pompée dans l'air sec, transformée de vapeur invisible en nuages faits de micro-gouttelettes ou de micro-cristaux de glace, nuages qui eux-mêmes finissent par se résorber en pluie ou en neige et, tombant sur le sol, se met à ruisseler. Ce ruissellement a un effet destructeur. Même sur la roche la plus dure, plus formidable des granites, ne résiste pas au ruissellement de l'eau et petit à petit est érodée. Et les produits de cette érosion, donc la roche rabotée, détruite par les divers types d'érosion, est transportée par l'eau. Mais aussi par la glace, qui est une forme d'eau d'ailleurs. Et aussi par le vent, quand les produits d'érosion sont fins, comme dans les déserts, transportés petit à petit toujours vers l'aval, parce que avec la force, avec l'énergie du soleil, il y a une eau, un autre type d'énergie, toujours présent, et présent partout, c'est celle de la pesanteur, l'attraction de la pesanteur. Tout descend vers le bas parce qu'on est attiré par la terre. Donc tout descend vers l'aval. Qu'est-ce que c'est l'aval? C'est le niveau de la mer, ou c'est plus bas que le niveau de la mer. Donc tous ces produits d'érosion, tout cela est transporté donc par les cours d'eau, par le vent, par les glaciers, et finalement aboutit au niveau de la mer et sous le niveau de la mer, où alors ces éléments finalement se déposent. Souvent, c'est sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres depuis l'estuaire que l'on peut suivre l'eau d'un fleuve qui s'avance dans l'océan sans du tout s'y mélanger. Au pied de la puissante chaîne de montagnes du Saint Elias en Alaska, le très extraordinaire glacier de Malaspina. Il montre à l'aval de son large front circulaire, recouvert par des moraines tellement épaisses qu'une forêt s'y est établie, il montre des torrents de fonte qui sont des fleuves exceptionnellement courts. Et les argiles et les limons que ces fleuves déposent sur des centaines de kilomètres carrés du fond de l'océan.
Les glaciers de montagne sont des fleuves. Fleuves quelque peu paradoxaux, certes, car ce sont des fleuves de matière solide. Mais fleuves tout de même, et fleuves plus ou moins longs, plus ou moins larges, plus ou moins épais, qui, sous l'effet de leur propre poids, descendent vers l'aval. Ils descendent jusqu'à la mer dans les régions froides du globe, comme en Nouvelle-Zélande ou en Alaska. Ils descendent jusqu'à 4 ou 5 000 mètres d'altitude seulement, dans les pays chauds, comme en Afrique centrale, ou dans la partie équatoriale de la cordillère des Andes. Ces fleuves de glace descendent ainsi depuis les hauts névés qui les ont engendrés. Ces prismes de glace séparés par de larges crevasses, on les appelle des séracs. Les séracs se forment aux endroits où la pente sur laquelle s'écoule le glacier augmente brusquement. Et les séracs deviennent réellement chaotique lorsque le lit du glacier devient vraiment très inconfortable. Voici une neige qui est déjà certainement de plusieurs jours, peut-être de plusieurs semaines, je ne sais pas, elle est, comme on dit, transformée. Mais elle est encore très compressible, vous voyez, je la réduis à un petit rien du tout. Cette neige, au départ, c'était floconneux léger, formé de cristaux en forme d'étoile, en forme d'hexagone étoilé, très très beau, très léger parce que plein d'air. Et cette neige, à mesure qu'elle est recouverte par de nouvelles épaisseurs de neige, elle se compacte et se transforme en névé. Le tassement a évacué la majeure partie de l'air qui, dans la neige fraîche, représentait les 9 dixièmes du volume. Et la densité du névé, de ce fait, est 6 à 8 fois plus forte que celle de la neige fraîche. Lorsque le tassement est encore plus poussé, le névé se transforme en glace. Et la densité passe à 0,8 ou même 0,9, alors que la densité de la neige est de 0,1. À la compaction s'ajoutent d'ailleurs les effets de la fonte et du regel qui transforment les cristaux de la neige en glace. Dès le stade de névé d'ailleurs, la masse descend vers la vallée, emportant tout ce qui tombe sur son dos, tant du haut des parois que du ciel, poussière de toute provenance que la glace fossilise et que des spécialistes peuvent étudier car elles sont riches en informations, notamment en ce qui regarde l'évolution des climats. Les pierrailles et les blocs qui tombent des parois forment les moraines latérales d'un glacier. Quand deux glaciers confluent, deux de leurs moraines latérales s'accolent et forment une moraine médiane. Ces chevrons sur la mer de glace proviennent de la neige fraîche qui, en hiver, s'était entassée en amont dans les larges séracs du glacier du Géant. Et leur forme arquée montre que les marges latérales d'un fleuve de glace, freinées par les parois bordières, avance moins vite que la partie médiane du glacier. Lorsque la partie inférieure d'une paroi devient tout à coup trop raide, la glace tombe en chute de sérac, redoutée par les alpinistes, et la partie supérieure du glacier s'appelle dès lors glacier suspendu. La forme arrondie de ces collines et la forme en cirque qui contient ce lac sont des reliefs caractéristiques sculptés par des glaciers aujourd'hui disparus. Le lac est niché dans une cuvette surcreusée dans des roches plus tendres de l'ancien lit glaciaire. Cette large vallée de l'Alaska, large de plusieurs kilomètres, a ceci de peu ordinaire d'être le résultat à la fois de la tectonique et du climat. De la tectonique parce que c'est une faille, parallèle d'ailleurs à la très célèbre faille californienne de San Andreas, qui en a déterminé la direction et la forme rectiligne, et du climat parce que c'est un puissant fleuve de glace
disparu depuis quelques millénaires, qui a creusé et surcreusé par endroits son lit, en taillant plus profondément les roches relativement tendres et laissant plus en relief les roches les plus dures. Quand la glace a perdu la majeure partie de son air, elle devient bleue. C'est de l'eau gelée. Et en réalité, c'est une roche. C'est une roche comme le calcaire est une roche, comme le granit est une roche, composée de grains solides, soudés les uns aux autres. Seulement, c'est une roche qui fond à 0 degré, qui s'évapore même également. Elle est non seulement se transforme en eau, mais elle se transforme également en vapeur directement. La glace étant une roche, est imperméable, ce que beaucoup de gens n'imaginent pas, parce qu'ils connaissent la neige est perméable, mais la glace, elle ne l'est pas. Les ruisseaux et les rivières coulent à sa surface, et des étangs et même des lacs peuvent se former dessus. Mais c'est une roche dure. Et, comme dans une roche dure, granit, grès ou calcaire par exemple, l'eau peut cependant pénétrer grâce aux fissures, voire aux crevasses, qui la fracturent. Ainsi, dans cette Avène sur un glacier des Alpes, qu'une équipe de spéléo-lausannois, conduite par Gérald Favre, entreprend d'explorer. Une rivière sous-glaciaire ressemble étonnamment à une rivière souterraine. Mais ici, l'eau est due à la fonte des glaces. Favre et ses camarades ont atteint la base du glacier et progressent maintenant sur sa moraine de fond. Puis, entre les blocs tombés de la base du glacier, dans cette caverne creusée par le torrent de fonte. Et à présent, ils remontent, toujours sur la moraine de fond, un affluent du torrent principal.
torrent sous-glaciaire finit par émerger, enfin, et poursuit sa course à l'air libre. La vitesse accroît le pouvoir de transport de l'eau et la couleur même de ces torrents rapides montre combien ils sont chargés d'argile. Ce que ces images, par contre, ne peuvent pas montrer, ce sont les éléments plus lourds, les galets et même les sables qui sont transportés tout près du lit même de la rivière. Plus les eaux sont rapides, plus les eaux sont chargées de sable, et plus est puissant leur pouvoir d'éroder les roches. Voici le résultat, l'un des résultats de ce travail des eaux, le célèbre Grand Canyon. Le fleuve Colorado, farvé d'un demi-million de tonnes de matériaux solides, a creusé ses gorges, actuellement profondes de près de 2000 mètres, en quelques dizaines de millions d'années. Il les a creusées à mesure que le plateau se soulevait sous l'action des forces tectoniques. L'érosion est d'autant plus active, tout étant égal par ailleurs, que l'altitude, c'est-à-dire la différence avec le niveau de base, la mer, est plus grande. Dans les régions arides, où les pluies sont d'autant plus violentes qu'elles sont rares, les eaux de ruissellement creusent les roches avec une vigueur exceptionnelle, d'autant qu'aucune couverture végétale ne les protège. Et elles y sculptent des paysages de ravins, de gorges, de tranchées que des arêtes roides séparent. Et cela engendre des régions extrêmement difficiles à franchir que ceux qui ont, les premiers, traversé l'Ouest américain avaient appelé des « Badlands », « terre mauvaise ».
En pays de montagne, un équilibre parfois s'établit entre le sol et les eaux. Équilibre plus ou moins précaire, car rien peut détruire. Mais qui, tant qu'il subsiste, permet à la vie de s'épanouir. Cet équilibre précaire caractérise certains versants de nos vallées alpines et l'on vient de s'apercevoir combien ces vallées, il faut les ménager. Une route nouvelle, pour avoir été tracée de façon inconsidérée, peut provoquer une véritable catastrophe. Ainsi pour celle que l'on a construite pour monter à la station savoyarde des Arcs et un ruisseau, l'Aravoir, jusque-là sans histoire, s'est soudain déchaîné. Et en quelques crues successives, il s'est creusé un canyon de 20 mètres de profondeur, a provoqué des dégâts peu croyables et n'a pas fini d'en faire. Ces images qu'a tournées François Vallat du Cémagref de Grenoble montre la puissance des laves torrentielles. Par l'eau, il y a l'érosion par la glace et il y a l'érosion par le vent et il y a l'érosion chimique aussi parce que l'érosion c'est la destruction du relief. La destruction du relief se fait physiquement, mécaniquement si tu veux. Imagine aiguilles de Chamonix, tu les connais, les aiguilles de Chamonix, il y a des fissures, il y a des grandes fissures que l'on voit très bien qui nous servent à faire de l'escalade en opposition dedans et il y a de petites fissures qu'on voit peu, qu'on voit même pas du tout. Mais l'eau s'y infiltre, elle la trouve toujours. Et puis vient le gel nocturne, et l'eau se dilate. Et c'est une force absolument irrésistible. L'eau qui gèle exerce une force irrésistible, et le roc cède.
Dans le cycle de l'eau, une partie importante de cette dernière se retrouve bien dans les nappes souterraines. Tu fais bien de m'en parler. Une partie de l'eau, donc, c'est celle qui ruisselle. Mais une partie de l'eau aussi est évaporée tout de suite par l'énergie du soleil et par le vent. Et rejoint tout de suite l'atmosphère. Et une autre partie, celle qui n'est pas évaporée, celle qui ne ruisselle pas, s'infiltre dans le sous-sol. Et là, elle forme des nappes dans les sables, dans les roches perméables, dans les grès, etc. Mais il y a un type de roche qui est soluble, qui se dissout dans l'eau, surtout quand l'eau est un petit peu acide, quand il y a un petit peu de gaz carbonique dedans. Cette roche est soluble, ce sont les calcaires. Les calcaires qui forment l'ossature des paysages que j'aime le plus. Ainsi les trois becs. Ainsi les falaises du Vercors. Ce Vercors, forteresse naturelle que la résistance a rendue fameuse, à cause justement de ce relief, de ces strates très épaisses de calcaire séparées les unes des autres par des couches de roches moins dures. Ces calcaires du Vercors qui tous sont percés d'avennes, de gouffres, de cavernes. Ce paysage, semblable à des paysages du centre de la Chine, ce paysage que j'aime pour sa délicatesse et pour la succession de ses plans de plus en plus éloignés, c'est un paysage de la Drôme. Dans les massifs calcaires, des rivières entières, parfois, s'engouffrent sous la terre. On appelle cela une perte. Et les pertes, comme les résurgences, permettent aux spéléos, eux aussi, de pénétrer sous la terre. Cette galerie, c'est une faille quasi verticale, élargie par dissolution. La vitesse avec laquelle croissent les stalactites est variable. Elle varie pour beaucoup de conditions, entre autres la saturation de l'eau qui passe par les minces fissures du sol et aussi leur richesse en carbonate de chaux dissous. Et on voit très bien ici cette micro-forêt de stalactites creuses qui pendent au plafond, avec chacune la gouttelette d'eau qui va déposer une toute minuscule quantité de calcite supplémentaire au petit tube existant et qui va la croître une fraction de micron. Les perles des cavernes, comme les stalagmites, sont engendrées par la superposition des infimes dépôts successifs de calcite laissés là par chacune des gouttes innombrables qui tombent de la voûte. Parfois, les courants d'air qui soufflent dans les cavernes obligent les stalactites qui croissent à dévier de la verticale.
et s'engendrent ainsi des concrétions bizarres. Et la rivière, enfin, ressurgit à l'air libre. Le besoin irrépressible d'aller frayer dans les eaux calmes et fraîches où ils sont nés oblige les saumons à d'incroyables efforts pour remonter le courant et même les chutes. Voici un saumon épuisé qui s'abandonne et il va mourir. Et c'est, pour les ours, la pêche miraculeuse. Ces rivières font leur chemin vers les plaines. C'est un chemin assez direct habituellement quand la pente est suffisamment forte. Et puis quand elles arrivent dans la plaine, elles se mettent à serpenter. Et à mesure que la vitesse de l'eau diminue, son pouvoir de transporter des matériaux solides, c'est-à-dire d'abord des galets, puis des sables et puis des argiles, diminue. Et aux approches de son embouchure, le fleuve, large, lent, divague, méandre, se ramifie en bras innombrables, et tout cela sur les limons qu'il a lui-même apportés depuis les montagnes. Vue de 36 000 pieds d'altitude, depuis le long courrier d'Air France qui nous emmène en Alaska, la vallée du fleuve Yukon, large de près de 10 km, montre l'enchevêtrement des méandres d'un cours d'eau parvenu dans les plaines au travers desquelles il serpente jusqu'à son embouchure.
méandres abandonnés, les uns déjà desséchés, les autres encore occupés par de l'eau. Chose rare, les eaux d'un lac se déversent dans celles d'une rivière. C'est au Rwanda, non loin des sources du Nil Blanc. Dans les plaines, les cours d'eau se calment. Ils serpentent de plus en plus paresseusement. Ils n'érodent plus, ils déposent. Ils déposent peu à peu les limons qu'ils transportaient. Alluvions fertiles sur lesquelles la forêt équatoriale prospère. Petites, des rivières se jettent dans le fleuve, qui grossit à mesure qu'il s'éloigne de ses sources. Je l'ai dit dans la première émission de cette série, mais je veux le redire. Ce que nous montrons et ce que je raconte n'a rien d'exhaustif. Je ne prétends en aucune façon dire tout ce qui pourrait être dit sur les sujets que j'aborde. Et cela pour des raisons diverses, dont celle-ci. Il y a tellement à dire sur chacun de ces sujets que chacun mériterait 10 émissions à lui seul. De ce très long voyage des eaux, voici l'estuaire. Ce n'est pas un continent que nous survolerions à très haute altitude, un continent avec son réseau de rivières affluant vers un fleuve, Yukon ou Amazon, non. C'est, survolé à très basse altitude, la vase déposée dans les eaux de l'Atlantique, du fleuve de Cayenne, et que la marée basse découvre. Nous sommes ici à l'arrivée de cet énorme voyage. Voyage qui a commencé dans les montagnes de roc dur, de granit, de grès, de schiste, que l'érosion a décapé, que les glaciers ont broyé, que les torrents, puis les rivières, puis les fleuves ont transporté jusqu'ici, jusque dans la mer, où ces argiles se déposent pour finir. C'est la fin du cycle d'érosion et de sédimentation, et c'est en même temps le début du cycle suivant, celui qui va transformer ces argiles en schiste et puis en autres roches, les plisser, les soulever et les transformer en montagne dans Dieu sait combien de millions d'années. Ces vases équatoriales sont très peuplées. Des crabes sémaphores et de petits poissons aux gros yeux en périscope qui viennent,
j'ignore absolument pourquoi, prendre des bains de soleil à l'air libre. Le moindre geste les met en fuite, mais les périscopes à l'air. Que les fleuves apportent font peu à peu reculer les rivages de la mer. Mais ailleurs, c'est la mer qui fait reculer les côtes. Même les roches dures ne peuvent résister aux vagues. Ainsi, à la pointe des Châteaux, à l'est de l'île de la Guadeloupe, qui sont des restes d'une falaise, elle-même reste de quelque chose d'autre que la mer avait érodé. Ainsi, à Étretat, où les falaises de craie et de silex sont sapées à la base. Falaises qui montrent façon exemplaire, la superposition des couches qui se sont empilées là au long des millions et des millions d'années où, avant d'être soulevé à plus de 100 mètres d'altitude, le sol, ici, se trouvait à plus de 100 mètres sous le niveau de la mer des temps crétacés. Les sédiments sont partis des montagnes et arrivent dans la mer, et le cycle recommence. Le cycle de l'eau et le cycle jeunesse des montagnes, érosion, transport, sédimentation, sont des cycles qui se mangent la queue, qui sont fermés. Les seuls apports, à première vue du moins, les seuls apports extérieurs, c'est d'une part l'énergie du soleil, sans lequel tout ça n'existerait pas, et ce sont les matières que les volcans apportent des profondeurs. Prochaine émission, la sixième, elle sera consacrée aux volcans, ou plutôt aux éruptions volcaniques telles que, volcanologue, je les ai vécues.